Troisième et dernière partie de notre séance numéro 2. Finisher, deux exercices. Burpees comme premier exercice pour encore faire travailler le cardio. Et deuxième exercice, ça va être du squat statique. Ok, donc on va commencer avec le premier exercice. Burpees, donc l'idée. Squat, j'avance les mains, je recule un pied puis l'autre. Je ramène un pied puis l'autre. Donc là, imaginons, hop, je descends, je recule le pied droit, planche, je remonte le pied droit et je remonte. À la deuxième fois, on va d'abord descendre, avancer, reculer la jambe gauche cette fois-ci, reculer la jambe droite, avancer la jambe gauche et avancer la jambe droite. Ok ? On descend, bien droit. Une fois qu'on ne peut plus descendre en squat, on avance, on fait basculer les mains devant. Planche, toujours alignement épaule main, alignement épaule genou cheville hanche, je remonte squat et je remonte. Ça c'est le premier niveau, ok. Second niveau, je descends en squat, je bascule rapidement, j'envoie les jambes derrière, je reviens et je remonte. Donc, squat, je bascule, j'envoie les jambes derrière, planche. Je ramène les jambes devant avec un saut. Troisième et dernier niveau, le niveau le plus haut. Je descends en squat. J'envoie tout le corps au sol. Une pompe. Je pousse sur les bras. Je pousse sur les genoux. Et je rajoute un petit saut. Ok. Là, on a vu pour le burpees. Deuxième exercice, squat statique. Donc là, l'idée. On va venir en position de squat. Là, alignement genoux avec les hanches. Ok, ici au niveau des genoux. Et on reste dans cette position là. Simplement. C'est un peu comme la chaise, sauf qu'on n'a pas d'appui contre le mur cette fois-ci. Si c'est trop simple, n'hésitez pas du coup à légèrement remonter. D'accord? Toujours en gardant un dos bien droit. Si c'est compliqué, remontez. Cassez l'amplitude du mouvement. Ok? Donc, niveau, si c'est vraiment trop compliqué, position initiale et position un peu plus dure. Ça marche? On relève un peu pour casser la parallèle. Ok, donc vous avez vu les deux exercices, regardez dans le programme. Les répétitions, le temps qu'il faut durer, et bon courage à vous. Ok?